Il y a des hommes et des femmes, des êtres aux grandes âmes que certains condamnent, à tort et sans preuve, mais eux le savent, que cela n'est qu'épreuve, mais demeurent sans s'arrêter, ils œuvrent sans s'arrêter, pour après leur mort, persistent et demeurent, avant qu'ils ne meurent, il y a des hommes qui valent mille hommes, j'ai connu un homme plus brillant que l'or. Une montagne de science, une lettre de confiance, immense océan, au calme surprenant. Un homme si grand, au fond si conscient, dans le bien constant, en toutes circonstances. À sa vue tu comprends que le temps est court, en sa présence tu apprends tant chaque jour. Cet homme manque, une personne si forte, à mettre à tant d'épreuves, et qui le prouve, et quand tu le trouves, comme un livre il s'ouvre. C'est un homme qui vaut bien plus que mille hommes, un homme qui étonne, un homme qui pardonne. Sa grâce et son charisme t'enveloppent comme un drap blanc, jardin de mérite. Toujours du bien il s'acquitte jusqu'au jour où il te quitte. Tu comprends bien qu'il mérite ce peu d'éloge pour cet homme modeste qui est sans conteste un grand homme d'adresse. Un homme qui manifeste en moi l'envie d'écrire pendant des heures pour décharger mon cœur de tout ce lest. Il t'enseigne ce qui t'est utile, ce qui t'apporte, ce qui t'importe, pour semer les graines sur ces terres fertiles, celles qui t'apporteront, ce qui te confortera. Si la vie est si dure à combler, c'est qu'il était élargi sur le chemin de la piété. Il a tant su conseiller, patienté face aux difficultés. Il a vécu et a vaincu, aujourd'hui délivré. Gardé d'une forteresse, regorgeant de richesses, son histoire inspire la sagesse. أنت حبي يا شيخي يا بدر الليالي، نورت قلبي وعيني، يا عبد الله يا هرري يا حبشي يا رفعي يا هرري في السحر من رمضان يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله.